à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine À ta santé, consacré ce soir à l'innovation technologique dans le milieu hospitalier. En effet, le milieu de la médecine a évolué au fil des années avec l'intelligence artificielle ou encore des appareils à la pointe de la technologie. Et c'est ce que nous verrons dans le reportage du jour. Nous serons en immersion au Salon Santé Expo à Paris. Nous serons ensuite avec notre invité de la semaine qui est Aboubacar Amada, le responsable du service biomédical à l'hôpital de Mayotte, qui nous parlera de la situation sur l'île. Et enfin, nous finirons comme d'habitude avec la chronique du jour qui est consacrée cette fois-ci à la maladie de l'asthme. Du numérique, en passant par l'intelligence artificielle, l'innovation technologique s'est invitée dans le monde de la santé pour apporter de meilleurs traitements aux malades. Et pour en savoir plus, nous étions au Salon Santé Expo à Paris, porte de Versailles, qui a mis en lumière toutes ces nouvelles technologies. C'est un reportage signé Ilona Issoufa et Shafion Madi. C'est un démonstrateur qui s'inspire d'une application de recherche en cancérologie. Là où c'était chronophage et incertain de compter ces centaines d'images à la main, bah on vient proposer un outil qui automatise et qui accélère et qui fiabilise ce comptage. Présente au Salon Santé Expo qui se déroule tous les ans à Paris au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, cette société développe des applications web sur mesure pour l'analyse de données et la prédiction en santé. Donc ici on génère un nombre aléatoire de points pour simuler le type d'images qui peuvent sortir d'un microscope. Et l'application qu'on a développée vient compter automatiquement le nombre de points qui apparaissent. Et on peut également le faire en traitement de lots d'images. C'est-à-dire que l'utilisateur va uploader toute une banque d'images, potentiellement des centaines d'images, et l'application va toutes les traiter de façon automatisée et rapide. L'utilité de cette application en recherche en cancérologie, c'est d'évaluer rapidement l'efficacité de potentiels nouveaux traitements. Donc sur leur efficacité pour lutter contre les cellules cancéreuses. Donc le chercheur va tester différentes formules et ça va générer des images avec différents nombres de points et l'application va lui permettre de vite identifier le traitement qui a le mieux fonctionné. En matière d'innovation, le salon rassemble plusieurs professionnels, représentants de l'industrie pharmaceutique, chercheurs et des start-up venus promouvoir les dernières avancées en matière de santé, comme la numérisation des protocoles de bloc opératoire. C'est qu'on s'est rendu compte que dans les préparations, on appelle les paniers préparatoires, pour chaque intervention chirurgicale, les paniers sont préparés et seulement dans 50-60% des cas, les paniers sont bien préparés. C'est-à-dire que dans presque la moitié des cas, il manque quelque chose, ce qui permet il faut s'arrêter au milieu de l'acte chirurgical pour aller chercher en urgence quelque chose. Ou d'autres cas, il y a des choses en trop, on ne sait pas si on va les remettre, on ne sait pas si on va gérer les dates de péremption, mais on s'est rendu compte en contact que les paniers n'étaient pas bons. Et quand on a regardé sur quelle base étaient faits ces paniers-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient faits sur du papier, en fait, avec des petits schémas, avec des choses qui étaient plus ou moins lisibles, il n'y avait pas forcément les références, il n'y avait pas forcément la dénomination exacte des composants. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de digitaliser les protocoles opératoires pour rendre plus formel le besoin vraiment de l'équipe chirurgicale. L'objectif, c'est vraiment de passer du papier à un outil mobile, tablette, téléphone, que ce soit un PC fixe ou mobile. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations, à la fois l'ensemble des composants dont on a besoin, les composants stériles, le matériel stérile, les dispositifs médicaux à usage unique, les médicaments, et que tout ça soit vraiment listé et interfacé avec les logiciels de l'établissement pour qu'on puisse prendre uniquement ce qui est vraiment stocké dans l'établissement de santé. L'optimisation, non pas dans le bloc opératoire, mais dans la chaîne du médicament, cette société en a fait sa figure de proue. Alors évidemment, là, ce sont des tic-tac, hein, donc on n'est pas très gourmand, on ne va pas les manger. On les met directement là où il y a les lettres. On distribue comme ceci. On a la photo qui arrive en temps réel. La photo qui sort en temps réel du comprimé. Alors évidemment, c'est tout en rouge parce que ce n'est pas reconnu. C'est normal. Si c'était des produits reconnus, ça serait en vert, donc ce serait des productions validées. Voilà. Et après, en bas, ça sort. Qu'on a un taux d'erreur qui est relativement important dans les distributions de médicaments. Et le circuit du médicament est un point sensible, même très sensible au niveau des ARS. Donc aujourd'hui, on a mis en place des machines qui nous permettent, ce que j'ai dit,
du all-in-one, c'est-à-dire que la production est contrôlée en temps réel. C'est une production qui est contrôlée en temps réel. Les anciennes machines, on avait la production et ensuite on sortait les rouleaux et on les mettait sur d'autres machines pour contrôler. Aujourd'hui, c'est tout mis ensemble. Aujourd'hui, on est capable, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des prises de photos, on est tout à fait à même de pouvoir garantir que le médicament qui est donné, c'est un médicament qui va passer, qui est conforme à l'ordonnance et qui va être correctement distribué. C'est ce qu'on appelle l'observance, avoir une bonne observance du produit. Donc aujourd'hui, nos machines font un contrôle photographique de chaque médicament dans les sachets. Robotique, numérique, jamais les promesses d'être mieux soignés n'ont été si nombreuses. Et même si elles semblent tirées de la science-fiction, la médecine de précision, véritablement personnalisée, est déjà une réalité. Nous sommes de retour à Mayotte et je suis avec Aboubakar Hamada, le responsable du service biomédical à l'hôpital de Mayotte. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors pour commencer, dites-nous à quoi sert votre service, quelles sont vos principales missions? Alors le service biomédical, on a un service support aux autres services de l'hôpital. On est chargé d'accompagner les soignants dans l'achat de matériel qui correspondent à leurs besoins. Et ensuite, on s'occupe de la maintenance de ces appareils. On est une équipe de 12 personnes avec un ingénieur biomédical qui se charge plutôt de la partie achat. Ensuite, on a un responsable de production qui encadre les techniciens dans la maintenance. Et on a un responsable achat et logistique qui, lui, est censé organiser toute la logistique par rapport au contexte un peu spécifique de Mayotte qui est l'insularité. Quel type de machine vous achetez justement régulièrement ? Alors, dans les services, chaque service a un besoin spécifique. On va prendre par exemple deux services, la maternité, parce qu'on parle beaucoup de la maternité à Mayotte. Eux, ça va être par exemple des échographes pour le suivi des grossesses. Ça va être aussi des machines comme les consultations, ça va être des tensiomètres, ça va être du monitorage. Et on va prendre un autre service qui est la radiologie, donc des appareils de radio comme une table de radio, un IRM, un scanner. Est-ce que vous achetez aussi des appareils à la pointe de la technologie, des appareils innovants par exemple? Alors en fait, pour acheter le matériel, chaque année on fait ce qu'on appelle un plan d'équipement. Donc c'est un recensement par rapport aux besoins du service, mais aussi on travaille sur l'obsolescence du matériel pour pouvoir justement avoir toujours du matériel à la pointe de la technologie et aussi qui permettent de fournir des soins en toute sécurité. Alors cette année, on a acheté un nouveau scanner au service de radiologie qui va permettre de prendre en charge tout ce qui est examen de cardiologie, ce qui ne se faisait pas à Mayotte auparavant. C'est aussi l'achat au service de stérilisation de stérilisateurs basse température. Au plateau SSR, on a acheté des robots d'assistance à la marche pour les patients paraplégiques. C'est aussi au service laboratoire des nouvelles machines qui permettent de faire des examens qu'on ne faisait pas avant. Ce sont par exemple des automates pour des examens du VIH. Parce qu'auparavant, tous ces examens-là étaient envoyés vers la métropole ou à La Réunion. Est-ce qu'à Mayotte, on a les techniciens nécessaires pour faire la maintenance de ces machines ou est-ce qu'ils doivent venir de l'extérieur? Alors, dans notre fonctionnement, par rapport à l'achat du matériel, dès qu'on achète du matériel, on réfléchit déjà comment on va assurer sa maintenance. Ce qui joue beaucoup par rapport au choix des machines. Donc, avant d'acheter, on se pose déjà la question comment on va assurer sa maintenance. Chez nous, on a trois types de maintenance. Donc la maintenance dite en interne, donc c'est les techniciens qui vont être formés chez le fabricant en métropole pour assurer cette maintenance en interne. Cette maintenance, elle est, on va dire, à privilégier sur un territoire insulaire comme Mayotte,
parce qu'elle permet d'assurer la continuité de service, mais aussi être plus réactif au niveau des services. La deuxième type de maintenance, c'est la maintenance dite mixte. Alors, la maintenance mixte se fait via des prestataires qui sont présents ici à Mayotte. Et au troisième recours, c'est la maintenance externe. Donc là, ce sont des techniciens qui se déplacent depuis la métropole ou depuis la Réunion. Et à quelle fréquence sont maintenus, sont révisés ces appareils ? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a une obligation réglementaire sur la maintenance des dispositifs médicaux qui est de faire une maintenance obligatoire sur les dispositifs médicaux de classe 2B et 3. Généralement, c'est une maintenance une fois par an. Après, chaque type d'appareil a sa spécificité. Donc, ce sont des recommandations faites par les différents fabricants, mais aussi par l'ANSM. On dit souvent que l'hôpital de Mayotte est mal loti. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes vont se soigner à l'extérieur. Mais à vous entendre, on a l'impression que c'est tout le contraire. Alors, nous, à notre niveau, par rapport aux achats de matériel, on achète beaucoup de matériel à la pointe de la technologie. Du matériel aujourd'hui qui n'est pas présent à La Réunion ou très peu présent en métropole. Sur un hôpital de notre, dimension, de notre capacité, le budget qu'on a de fonctionnement, on peut dire qu'on est très bien doté. Ce sont des machines qui coûtent cher. Quel budget avez-vous annuellement pour acheter tous ces appareils ? Alors, annuellement, on a environ un budget de fonctionnement de 2 millions d'euros. Et l'année dernière, comme je vous disais, on a eu un budget exceptionnel sur des fonds européens qui est de 17 millions d'euros. On a bien compris que l'hôpital de Mamoudzou est plutôt bien loti en termes d'appareils à la pointe de la technologie. Mais est-ce que les dispensaires et les centres médicaux de référence sont tout aussi bien équipés ? Alors oui, effectivement, en fait, nous, par rapport à l'achat des dispositifs médicaux, on fonctionne de manière globale. Donc les machines qu'on achète ici sur le site principal, ce sont les mêmes machines qu'on va mettre sur les sites périphériques. Je vous prends par exemple, cette année, on a acheté des mobiles de radio qu'on a installés sur les différents sites périphériques qui vont permettre de faire des radios sur les différents sites afin d'éviter que les patients se déplacent sur Mamoudzou pour faire une radio. Donc ceci toujours pour améliorer la qualité des soins. Nous, en tant que service biomédical, on est chargé d'accompagner les services. Donc, dans les différents projets, là, par exemple, on accompagne l'hôpital dans la restructuration. Donc, là, par exemple, il y a une restructuration de différents services. Donc, nous, on accompagne ces différents services sur leurs besoins en termes de matériel. Par rapport aux achats, lorsqu'on fait notre recensement de besoins, on essaie toujours d'avoir des machines à la pointe de la technologie pour faciliter les soignants pour délivrer des soins en toute sécurité. Merci, Monsieur Aboubakar Amada. Je rappelle que vous êtes le responsable du service biomédical à l'hôpital de Mayotte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il est temps de retrouver la chronique du jour et ce soir, nous allons vous parler de l'asthme, une maladie qui touche les enfants et les adultes. Alors, on ne peut pas en guérir, mais une bonne prise en charge permet aux malades de vivre normalement. Plus de précisions avec le pharmacien Houssine El Arti. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un médicament très utilisé partout dans le monde, notamment à Mayotte. Il s'agit du salbutamol. Donc, le salbutamol, plus connu sous le nom de Ventoline. C'est un médicament qui permet de dilater les bronches et qui est utilisé en cas de crise d'asthme. Une crise d'asthme se manifeste la plupart du temps par un essoufflement. Donc quand on fait un effort, on s'essouffle. Par une respiration qui siffle un petit peu, donc on entend un petit bruit de sifflement à la respiration. Et également par une toux qui peut être asthmatiforme, comme on le dit. Qui dit médicament dit précaution d'emploi. Et qui dit précaution d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à certaines indications.
Et dans le cas de la ventoline, ça nécessite une ordonnance. Donc c'est un médicament qui est soumis à prescription médicale. Il faut aller consulter votre médecin qui saura vous conseiller la ventoline avec un traitement de fond pour vous aider à guérir et éviter les crises d'asthme. Donc plus vous allez avoir un traitement qui est adapté, moins vous aurez besoin de ventoline. Il faut savoir que la consommation excessive de ventoline peut avoir certains effets sur la santé. On peut trouver des tremblements des extrémités, on peut avoir le cœur qui accélère, on peut avoir des crampes musculaires et on peut avoir un peu mal à la tête. Donc ces signes-là évoquent une consommation excessive de la ventoline. Pour finir, trois points à retenir. Utilisez la ventoline uniquement en cas de crise d'asthme. Il faut savoir que ce qui convient à vos voisins ou à votre entourage ne vous convient pas forcément à vous. Donc chaque personne doit consulter le médecin pour sa propre personne. Si vous êtes asthmatique et que vous avez une ordonnance, il faut toujours avoir votre ventoline sur vous en cas de crise et puis pour pouvoir aussi anticiper. Merci pour votre attention. Excellente journée. C'est la fin de votre émission consacrée à l'innovation technologique. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook à ta santé ou sur notre adresse email qui s'affiche en bas de votre écran. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Mayotte la Première.